Coucou, bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Est-ce que vous passez une bonne journée? Est-ce que vous êtes en forme? Moi, je me réveille un peu là, un peu beaucoup. Hier, j'étais encore en mode fatiguée, clôture, démarrage. Mais aujourd'hui, je sens vraiment ce vent nouveau de 2019 qui souffle et ça me pousse comme ça à l'avant. Et donc, question pour vous toutes ici, que vous êtes nombreux là. J'ai plein d'idées de ce que je veux faire en 2019. La semaine prochaine, va y avoir avec ma coach Sigrun un workshop de planification. Je suis super contente avec cela. Mon idée, ma question en fait, j'ai l'idée de... Coucou, Patricia, j'ai l'idée de faire des interviews ici, interviewer des femmes magiques, des femmes qui portent qui représentent ce féminin sacré, qui travaillent avec cela, des belles femmes. Et j'ai déjà toute une liste de femmes que je voudrais interviewer. Mais en fait, si je veux faire ça pendant toute l'année, cette liste n'est pas assez longue. Donc, si tu connais des femmes magiques, des femmes magnifiques qui travaillent dans ce domaine, que tu trouves que ce serait super que je les interviewe, alors veux-tu me mettre ici en dessous un commentaire avec leur nom et je les contacterai. Peut-être tu les connais personnellement ou peut-être pas du tout. Ah, je vais évidemment pas interviewer tout de suite, je sais pas, Oprah ou quelqu'un. Mais pourquoi pas, hein, je sais pas. J'ai vraiment des chouettes idées qui je vais interviewer. Ça, c'est une chose. Donc ça, si tu as des idées, bah, mets-les en dessous ici et je pourrai les interviewer. La deuxième question, parce que j'en ai deux, je pourrais en avoir trois, mais je ne ferai que deux, comme ça je ne suis pas trop longue. La deuxième est que ce mois-ci, ce mois de janvier, je travaille avec toutes mes porteuses de projets. Donc tu vois, ce sont les femmes magiques qui ont travaillé avec moi l'année dernière, qui ont peut-être fait mon cours ou un challenge ou un mini cours sur la confiance en soi, sur la magie d'être une femme, et que ces femmes sont maintenant se sont lancées à être enfin créatives et à mettre au monde leur créativité, offrir au monde leurs projets. Et donc pendant le mois de janvier, je les aide à vraiment aller de l'avant et porter ça au monde, offrir ça au monde. Donc avec ça, évidemment, il y a tout un côté technique de ce qu'on doit apprendre parce que on devient entrepreneuse. Et ça se fait pas comme ça, on peut pas l'inventer, c'est pas un hobby, c'est pas comme si, oups, je me réveille le matin et boum. Non, là, il y a des choses à apprendre, des choses techniques, un mindset, c'est un... Entrepreneuse, être entrepreneuse, c'est entreprendre, c'est un travail. Et donc, je les aide avec cela. Si toi, tu connais des femmes comme cela, des femmes magiques, des femmes créatives qui ont besoin d'un petit coup de pouce, alors tu peux les taguer ici en dessous. Elles peuvent se mettre dans mon groupe Chandora, porteuse de projet. Donc, je vais mettre ce lien aussi ici au-dessus. C'est un groupe qui est gratuit. Dans ce groupe, on booste nos entreprises, on échange les idées qu'on a, on teste un peu, on fait des sondages et on s'échange comme ça. Et pendant le mois de janvier, ici, je vais consacrer beaucoup d'énergie à vraiment faire avancer ces femmes avec grand plaisir parce que je crois que c'est vraiment dans l'énergie du mois de janvier de se lancer. Et j'ai envie d'aider toutes mes petites porteuses ou grandes porteuses de projets. Donc, si tu connais des femmes, un, que je peux interviewer, et deux, que ça pourrait être intéressé, que ça pourrait intéresser, voilà en français, à ce moment-là, tu les tags ici en dessous, tu les mets ici en dessous, ou bien tu les contactes en privé, évidemment, hein, tu leur envoies le lien, et comme ça, on peut vraiment travailler ensemble. Alors, ce qui est chouette, c'est que j'espère que toi aussi, tu sens ce vent nouveau de janvier souffler. Si tu as quelque chose que tu as remarqué qui se passe maintenant, par exemple aujourd'hui en Belgique, il fait beau, il y a de la lumière, je trouve que ça donne de l'énergie. Si tu as remarqué qu'il y a des nouvelles choses qui mijotent dans ta tête, des nouvelles idées, énergies, partage-les avec nous. Ça nous intéresse et ça nous nourrit évidemment mutuellement. Et très très chouette, rencontrez-vous aussi, pas virtuellement seulement, mais en vrai, si vous êtes assez proches l'une de l'autre. Ça, c'est aussi un projet que j'ai, mais chut,
Je dis encore pas tout. Pour ne pas vous inonder de trop d'informations, j'ai assez parlé, je pense. Une très très belle journée à vous toutes. Aidez-moi à trouver ces personnes. Je me réjouis de vous voir ici et d'avoir une interaction, évidemment, avec vous. Très très belle journée. À très bientôt ici et dans mes emails. Vous pouvez vous mettre dans ma mailing list. Je vais envoyer une tonne de mails. Enfin, une tonne. J'ai envoyé deux mails. Ok, bisous, bientôt.